Eh bien salut mes petits loulous, c'est Xvescu, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Folut 4. Nom de Dieu. Excusez-moi, Scribelle. C'était un sacré combat, hein. Vous snobez ? J'ai hurlé de joie quand j'ai vu ces ghouls sauvages se faire exploser la tronche. Et toi, on t'a jamais excusez-moi, j'ai juste monté le son vite fait. Quand t'essaies de te mettre en colère. Attendez, je vérifie que... Putain, est-ce que mon son est à fond là au moins ? Me semble. Pourquoi est-ce qu'il me déteste ? Il ne vous déteste pas. Rhys ne vit que pour la confrérie, elle est sa famille. Toute sa vie même. Rien d'autre ne compte pour lui. Et si quelque chose le gêne, il le pousse hors de son chemin. Sans ménagement, comme vous avez pu le voir. Il y a quelque chose entre vous deux ? Quand je me suis engagée, c'est Rhys qui a été mon mentor. Il m'a prise sous son aile et il m'a tout appris. J'ai cru un moment qu'il y avait plus que ça entre nous, alors... Je lui ai demandé s'il pensait de même. Mais il m'a répondu que seule la confrérie de l'acier comptait à ses yeux et... qu'il n'y avait de place pour rien d'autre dans sa vie. Depuis, on n'a plus jamais évoqué le sujet. Bon, je dois me remettre au travail. Si l'attitude de Rhys vous inquiète, continuez juste à faire votre travail. Il finira par changer, vous verrez. Alors, vous vous sentez d'attaque pour votre première mission ? Qu'est-ce que les scribes font pour la confrérie ? Au juste. On fait tout le nécessaire pour permettre aux pilotes et aux soldats de mener leurs opérations. Recherche scientifique, réparation, planification tactique, et j'en passe. En bref, tout l'aspect technique. Moi je suis scribe de terrain, ce qui veut dire que j'opère au sol avec les soldats. Et ça ne me déplaît pas de me battre, de temps en temps. Enfin bref, je vais pas vous ennuyer avec tous ces détails. C'est bon pour votre prochaine mission ? Oui. Excellent. Je vais vous expliquer de quoi j'ai besoin. L'une des principales tâches de la confrérie consiste à récupérer et à préserver la technologie perdue lorsque les bombes sont tombées. J'ai une liste de lieux où ont été aperçus des artefacts qu'il faudrait que vous récupériez, pour que nos scribes puissent les étudier et les cataloguer. Tenez, voilà qui devrait vous donner tous les renseignements dont vous avez besoin pour trouver le premier. Bonne chance, et faites attention. Bon, attendez, ça m'inquiète là, parce que mon son, vous voyez, il est même marqué 16 là, mais... Bref, je vais vite faire... Excusez-moi, avant qu'on aille trop loin dans le jeu et qu'il y ait un problème sonore sur la vidéo, je préfère prendre Paris. Je reviens. Bon ben, nous revolu. Excusez-moi. Donc, toi, qu'est-ce que tu nous veux là ? Scribe Hélène. On a souvent du mal à trouver des artefacts de qualité dont nos scribes peuvent tirer de nouvelles connaissances. Mais c'est d'autant plus... Excusez-moi. Bon allez, crachez le morceau. À quoi vous jouez ? J'espère que je ne vous ai pas encore offensé. Vous m'offensez ? Ça risque pas. J'essaie juste de vous cerner. Vous n'êtes pas un soldat, plus un loup solitaire. Alors je me demande pourquoi vous êtes toujours là. Quel intérêt de rester alors que vous avez eu ce que vous vouliez ? Je pense sincèrement que... Ma décision est prise. Plus aucune sortie jusqu'à nouvel ordre. Qu'est-ce que je pourrais dire pour que vous me fassiez confiance ? Dire ? Rien du tout. La confiance se gagne par les actes. Rien de plus, rien de moins. Écoutez, je vais y aller mollo avec vous parce que Dance vous fait confiance. Mais si vous faites le moindre écart et que vous mettez mes frères et mes sœurs en danger, croyez-moi, vous le regretterez. Alors, cette mission, on peut l'envisager, oui ou non ? C'est quoi votre problème ? Mon problème, c'est que je n'arrive pas à vous cerner. Vous sortez de nulle part, vous descendez quelques ghouls sauvages, et d'un coup, le paladin Dance et vous êtes les meilleurs amis du monde. Je ne sais pas si vous prenez votre boulot pour la confrérie au sérieux, ou si vous jouez simplement la comédie en attendant de trouver ce que vous cherchez. Quoi qu'il en soit, comptez sur moi pour vous avoir à l'œil tant que vous n'aurez pas accompli quelques-unes de mes missions. Et maintenant, vous allez pouvoir y aller, oui ou non ? Oui. Bon, écoutez bien. Que ça nous plaise ou non, l'une de nos missions principales consiste à exterminer les saletés qui infestent le Commonwealth. Je parle des mutants, des ghouls, des synthétiques. Toutes ces abominations créées par ces scientifiques à la manque et leurs petits joujoux. Cette mission est on ne peut plus simple. Je vous désigne une cible et vous éliminez tout ce qui rôde là-bas. Tous les détails dont vous avez besoin sont ici. Ne revenez pas tant que le boulot n'aura pas été fait. Apportez-moi cet artefact. Connard ! Préparez-vous ce transfert. Attendez, c'est quoi ça ? Bon. Ils sont là, ok. Hey ! On va aller trouver cet artefact et cette zone... Bah, délivrer, on va dire, hein, vu qu'apparemment c'est ça, il faut délivrer, hein. Faut délivrer ! Faut tout délivrer. Ah, c'est temps de chargement de l'infini. D'ailleurs, il y a eu un patch, hein, parce que je crois que... Au moment où j'ai chargé ma sauvegarde, il m'a dit « Oui, certains de vos objets n'existent plus. » J'ai fait « Quoi ? Comment ça, certains de mes objets n'existent plus ?»
Comment que cela se peut-il? Je comprends pas. Pourquoi des objets ne marchent plus? Qu'est-ce qui s'est passé, Gertrude, hein? On ne saura pas. De la mer luminescente située loin au sud-ouest. Ma foi. Bon! Du coup. Carte. Non. Données. Alors, du coup, faut aller où? Je vois que c'est à 49 mètres. Donc c'est pas très loin. C'est bien. Ah, oui, d'ailleurs, j'avais foutu où mes armes. Hein. Déjà, c'est en charge. J'ai dit hors charge, putain! Ah! Oh putain, ce gros truc, quoi. Ça, c'est de la merde, de toute façon. Voilà! Piu piu! Y'a qu'une goule sauvage, que Nico. Canigou! Meurs pas, mon gros! Dans ton bus, bâtard! Piou! Vas-y, Canigou! Yeah! Goule en face. Attendez, elle est où mon arme? Celle que pas d'Indens m'avait filé là. Putain, je sais plus où elle est. 5. Non. C'est le 9, ok. Parce que moi celle-là elle a l'air efficace. Non, ça indique qu'il y a une goule dans le coin, mais je sais pas où. D'ailleurs, ils sont les cadavres. D'ailleurs, en argent, ça peut être utile. Capsule. Du coup, comment on descend là? Ah, bonjour. T'as l'air un peu plus sub maintenant que j'ai cette arme, le jeu. Quand même pas comment on descend. Pas par là. Oh, va dans les métros, cool! Vas-y, je prends ça, moi. Je dis, je prends ça. Fiche-la moi, merci. Station College Square. On va aller tout nettoyer, ma gueule. Eh ouais, on va tout nettoyer, hein! Une musique épique si je me fais agresser alors qu'il y a personne. Adine Cacola. Ok, il y avait un piège. J'ai même pas fait attention. Caché comme une ombre. Hmm.
Enfin, je trouve un marchand pour acheter des balles. Hey Kanigou, tu veux jouer? Ah. Je m'en fous de ton pinceau là, oh! Il y a Dieu à ton bras! Les bois, non, tu crois? Impossible de crocheter ça. Bon. Du coup, je descends alors, hein? Ah, j'ai plus de balles, fais chier. Non, c'est pas celui-là. Il est où mon flingue automatique là? On fait le double canon que j'ai des balles, non? Arrête. Ça devrait le faire un peu mieux avec ça. Sauvage errant là-bas. Oula. Voilà. C'est bon. Bah au moins pour une fois la porte. Bon, Kanigou, tu veux bien avancer? Je peux plus passer Kanigou, là bouge. Bien sûr. Quelqu'un? Mal. J'aime bien mon Kanigou. Du coup. Bon, attends, ça va. On se démerde bien. C'était vraiment pour dire que la dernière mission que j'avais fait, que c'était super mal passé. C'est pas spécialement de ma faute. Je vais pas avoir l'équipement nécessaire pour pouvoir la faire. Personne ici. Ma foi. On voit rien là. C'est moi. Ah si, on voit un mort là. Oh putain.
J'ai l'impression que, la patch a niqué mes modes. Ça y est. Des costumes rayés propres. Pourquoi pas. Oh, il y a du monde là-bas. Casse-toi, Canigo. Vous avez atteint le niveau 10. Casse-toi, Canigo. Faut que je loot. On va dormir une heure. Alors qu'il y a des zombies juste à côté, tu vois. Allez, on va dormir une heure. Hein. Bon, il y a juste des zombies juste en face, mais c'est pas grave. Hein. Il y a luminescent en face, fait chier. Coucher, mon zombie. Attendez que le dernier est juste là. Bon, attendez, moi je loot. Capsule. Je suis là-bas. Il prendra bien son temps. Hein. C'est fermé. Ça n'a pas l'air de se crocheter. Oh merde, ça se crochette pas, d'accord. Tu aurais pu me le dire tout de suite que ça se crochette pas. Ouais. Ouf. Ah merde, putain. Ouais, ils m'ont niqué. Merde. Non. Ah, il se réinitialise en 10 secondes. T'aurais pu me le dire. Ah ouais, d'accord, mais il y a... Similarité 1. Donc room. Quoi? Ah, va te faire enculer sa tête PC de merde. Je vais choper le dernier zomblard et je vais lui exploser sa gueule. Ah, tu veux jouer à ça? Ah, c'est moche. Oh merde. Ça pétait ce machin? Ouais.
sortir maintenant. Et du coup, j'ai aussi regardé dans mon armure parce que j'ai vu qu'on avait looté quelque chose de plus intéressant. Non, c'est pas les sous-vêtements. C'est clairement pas les sous-vêtements longs. Bon, on va pas se soigner, on va faire un truc plus simple, on va aller dormir. Comment ça, fusil à canon? Attendez, c'est quoi cet embrouille là? Déjà ça, je vais virer. Mais, putain, mais c'est les mêmes quoi! Pourquoi est-ce que tu me... Putain, il pourrait regarder et comparer directement quoi. Voilà, ouais, faut le vie, allez! On se tire! Faut pas être claustro hein, pour aller là-dedans. Allez, on va voir ce qu'il va nous donner, enfin ce qu'il va nous dire, avec cette mission rondement menée! Ah ouais, il m'a viré mes modes. Joli. Je sais jamais c'est quelles armes. Oh ouais, puis merde. Pourquoi attention? Ah d'accord. Mon perso est un peu plus gros que d'habitude. Du coup, mon canon long, il est pas équipé? Enfin, mon petit canon là. Ah non, il est pas... Il était plus là. Ok. Fusil d'institut. On va mettre ça là. Parce que les fusils aviraux, j'en ai rien à branler. Y'a un intéressant à loot ici. Ah, Caligo a trouvé quelque chose. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Parce qu'en fait j'ai l'impression que le truc qu'il a trouvé, il l'a balancé en bas. Qu'est-ce qu'il y a Caligo hein? T'arrives pas à descendre, c'est ça? T'as peur? J'ai intérêt à avoir quelque chose dans cette valise, hein. Oh merde, putain. Ouais. Ou pas. Bonjour. Déjà, je vais virer le pistolet de fortune. Ah non, pas les... Ah putain, mais l'interface de merde! Et toi, casse-toi. Je suis plus sur les armes comme ça. L'autorité des justes. Nos armes à verrou jetées. Des monte-pneus jetés. Armes anti-blindage.
pourrait être sympa ça. Oh! En plus c'est en semi-automatique, nickel. Tout ce que je voulais. Par contre, pour l'armure... Bon allez, on est en notre objectif, nous. Et s'il y a un seul zombie qui veut venir se péter, et ben qu'il vienne, je vais lui défoncer son cul. Nous y voilà. Nous y voilà. Oh, les vieilles textures dégueu sur la porte. Ah, elles étaient moches. Ah, c'était laid. Hé, hey, connard, j'ai ta mission. Vous avez apporté de bonnes nouvelles. Affirmatif. Ça, c'est la surprise du jour. Tenez, et si ça ne vous convient pas, tant pis pour vous. Maintenant, allez voir le paladin Dance. Il m'a dit qu'il avait une mission pour vous. Vous savez où me trouver quand vous voudrez repartir en opération. Paladin Dance. Heureux de vous revoir. J'ai une autre mission pour vous si vous vous sentez de l'entreprendre. Je peux faire quelque chose ici, au commissariat ? Non. J'ai besoin de vous sur le terrain. Rhys et Hélène gèrent la situation ici. C'est bon ? Vous voulez y aller ? Dites-moi juste ce que vous voulez. Très bien. Au cours des dernières années, la confrérie a envoyé plusieurs unités de reconnaissance dans le Commonwealth. Les derniers éclaireurs sont partis il y a 3 ans. Ils n'ont plus jamais donné de nouvelles. Officiellement, ils ont disparu et sont présumés morts. Est-ce qu'il y a eu une mission de secours ? Non. La confrérie n'a pas la main-d'œuvre, ni les ressources nécessaires pour lancer ce genre de recherche. Ceux qui s'inscrivent aux missions de reconnaissance sont conscients des risques. Notre vie dépend de notre entraînement et de nos coéquipiers. Mais lorsque nous perdons une unité, nous honorons la mémoire de ceux qui ont péri en faisant leur devoir. Nous avons la responsabilité de découvrir ce qui leur est arrivé, dans la mesure du possible. Par où dois-je commencer ? Leur point d'insertion se trouvait dans les collines, près de Malden. C'est là qu'il vous faut commencer si vous voulez suivre leurs traces depuis le début. Écoutez votre radio, des fois qu'elle capte des signaux de détresse. Ou les éclaireurs ont des émetteurs à impulsion qui fonctionnent comme une balise à courte portée. Si vous parvenez à capter un signal, vous devriez pouvoir le suivre jusqu'à sa source. Très utile. Je pensais pas vous revoir. Alors ? Vous voulez aller nettoyer une autre zone ? Quelle est la mission ? Votre cerveau a été irradié. Vous allez nous aider à accomplir votre mission. Rayer ces abominations de la surface de la Terre. C'est bon pour moi. Bonne réponse. Voilà l'endroit que vous devez nettoyer. Accomplissez la mission et revenez me faire votre rapport. Allez, on repart nettoyer un petit peu, parce qu'on adore ça, nous. Bon, du coup, je vais aller où ? La patrouille perdue, on fera ça plus tard. C'est pareil qu'il faut aller ? C'est là-bas ? Oh putain ! Bon, bah, faut, si c'est là-bas, je trouve que t'es fait direct, hein. On va voir ce que ça vaut ! Ouais, j'ai presque le... fait la moitié de ma barre d'XP, c'est pas mal ça. Mmh.
Oui, j'ai un level à gagner aussi, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais du coup... Bah non, c'est pas là! C'est là-bas? Quel con! Mais quel con! Voilà tout ce que j'ai à dire. Ah merde, j'ai attaché mon jeans! Oh! Oui, je raconte des conneries quand je suis fatigué, alors. Allez! Dépêche-toi! J'aime bien voir un petit silencieux tourner sur lui-même, c'est beau. C'est magique. C'est fantastique. J'aimerais bien avancer, là. Du coup, c'est par là. Ouais, c'est pas là. C'est ce machin, là-haut. Je vais nettoyer là. Ça, mission. Je fais des rats. C'est ça, ma mission. Tu veux des rats taupes. C'était nul. Mais filez-moi la conquête de l'espace plutôt, quoi. Je me ferais moins chier. Ah, radiation. C'est pareil. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein? Après tout, hein. Plus à ça près, hein. On va peut-être pas aller là-dedans. On va peut-être juste retourner directement au commissariat. Guns and bullets! 33$? Bah, ça fait cher, hein. Chaque nouveau numéro d'armes et munitions ajoute un niveau à l'aptitude d'erreur d'élite. Cool! Je suis pas là pour faire des collections, vous savez. Moi, je suis là pour tuer! Je suis là pour tuer! Et niquer des mamans aussi. Ah, ben oui, vu que sa femme est morte, faut bien qu'il aille tirer un coup ailleurs. On a rien à branler de Sean, c'est bon. C'est bon, il est perdu quelque part. Vas-y, c'est. C'est le moment là, le mec ça faisait 15 ans qu'il était marié. Oh, si, eux ils peuvent tirer son couille, eux. Ça, je suis débile. Je suis un grand débile, je sais. Mais bon, vous le saviez déjà, ça. Oui, je me répète souvent, je dis souvent la même chose. Mais bon, c'est pour le rappeler. Alors, mission accomplie, du gland. J'espère que ce secteur a été nettoyé. Vous avez vraiment besoin de demander? Vous voulez vraiment mettre ma patience à l'épreuve? Tenez, votre paiement. Tant que la confrérie sera là, ces abominations n'auront pas la moindre chance. Soufflez un peu si vous en avez besoin.
Et prévenez-moi quand vous voudrez repartir en mission. C'est bon pour moi. Bien. Vous trouverez toutes les précisions sur votre carte. Venez me faire votre rapport quand vous aurez nettoyé la zone. Ouais, j'adore nettoyer des zones. C'est cool. Alors... ça, c'est fait. Super Dupper Mart, c'est où ça? C'est près de Lexington. Waouh! D'accord, ajoute un niveau d'aptitude increvable qui augmente légèrement la probabilité d'une attaque ennemie ne vous infligeant aucun dégât. Bon, c'est pas mal ça. Est-ce que nos héros peuvent arrêter Docteur Lavement de cerveau? Waouh. Oui, j'ai rien à faire de mon temps livré alors. Regardez, je vais glitcher. Ouais! Du coup. Oh, c'est ici. Bon, je vous avoue, je le sens pas. Ah, d'accord. C'est quoi ce bruit? Oh, cool! J'ai récupéré des mines. Comment j'en pour le libérer? Le resto mobile. Ah oui! Non! Donne-moi mon bout de gâteau! Attendez. Coup par où on passe? C'est par là? Là, on dirait que c'est le parking, on dirait que l'entrée est là-bas en fait. Ah putain, je suis en train de le parking moi. Bah, remarque, vous me direz, on peut peut-être y arriver via le parking. Oh putain, sa mère! Une arme anti-goule. Merde, je suis trop lourd maintenant, fais chier. Pourtant, j'avais dit que j'essaierais de virer ça. J'avais juste marre de cette gestion de l'inventaire là. Ah d'ailleurs, justement en parlant de gestion de l'inventaire, c'est où le truc pour pouvoir encore... là. Allez. Ah là, c'est mieux. Mais bon. Bon, je
sais pas pourquoi, mais il nous dit de retourner vers le parking. Bon, moi, on a bien nettoyé ici. Pas trop mal. Rien d'autre ? Rien d'autre, ok. Ah, j'aurais juste pu déverrouiller le truc et lui demander d'attaquer les zombies, fait chier. Enfin, les ghouls, pardon. C'est vrai que des ghouls, c'est pas des zombies, hein. Bon, du coup, comment j'entre? Il doit bien y avoir... Dis-moi que c'est une porte, ça. Ah! Ah, c'est dégueu! Ah, mais my god, cette texture immonde! Ah, bah, putain, il y avait carrément une porte ici. Pourquoi se faire chier à passer par le parking quand on peut passer par la porte, hein? Hein? Et dites-moi, ça sert à quoi, hein? Oh! Oh, la taille de la zone, ça va pas être chouette, ça. Venir le gangbang dans pas longtemps. Qu'est-ce qu'il y a, Kaneko? T'as vu quelque chose? Ok, donc ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de A, il n'y a pas de S, il n'y a pas de K. Ah, ça me gave les trucs de piratage comme ça. Casse-toi, Kenigo. Ah, je vais les choper, je vais les éclater, ça ira plus vite. Bon, regarde les caisses d'enregistrement. D'où ma balle est pas passée. Bien, Kaneko, tu fais une super victime. Génial. Génial. Casse-toi, Kaneko, putain. J'ai pas d'humeur. Oh, elles sont où les dernières ghouls là? Tu peux passer comme ça? Combien de portes je vais déverrouiller là? Joli.
c'est pas grave. Oh. Qu'est-ce que je pourrais virer que j'ai de trop? Oh putain, que le... Ah, j'en ai tenu. Ce serait peut-être bien de virer des trucs que je me sers pas, quoi. Perfecto et jean. La robe, on va peut-être la virer. Ça sert à rien d'avoir une robe de balle. Voilà, mais je déteste ce système d'inventaire. Non, il y a voir dans les armes. Parce que j'ai pas des armes en double. Je sais que j'ai déjà un mousquet laser, mais je veux juste les garder pour pouvoir... Bah t'es où le dernier ghoul là? On va quand même m'expliquer où a été fait le nettoyage en fait là. Va pas me faire chier avec les capsules, j'espère. Ah. Une bouche d'écureuil croustillante. Tombe bien, ça serait peut-être bien pour avoir du soin. Voilà, ça c'est bon. Tactique fusil de chasse. C'est quoi ça? Je me déplace lentement. Je me déplace lentement. Mais c'est pas grave. On ouvre la carte et on va au commissariat. Non mais jeu de merde quoi. Oh, vous pouvez pas vous téléporter hein. Ah ben non hein. C'est pas bien la téléportation, hein! Vous êtes bien trop lourd, vous n'avez pas le droit de vous téléporter, voyons. Alors, déjà, amortissage là. Donc, R. R. J'ai pas envie de me débarrasser de certains trucs, quoi! Regardez, ça donne du charisme. Bon, ça donne rien. Ça donne rien. Et là, je suis toujours trop lourd ou pas? Je suis à 120. Oh merde, il y a une goule droit devant. Pique dans ta gueule, ça. Bon, je peux me TP. Comment je me tire? J'adore comment il se balade dans le feu et tout, là, de dire pfff, dis-lui vite, bitch, je suis trop fort.
Ah d'accord, sorti est en bas. Vas-y, vous savez quoi, je vais me le faire. Je vais me le faire les deux derniers. C'est pas de l'essence qui est par terre par hasard. Va chez mon chien, toi. T'inquiète, gros, tu t'en remettras. T'es un chien, tu peux pas mourir dans le jeu. C'est pas possible. J'espère que je suis venu ici pour rien, c'est ça? Est-ce que je suis venu ici pour rien? Dites-le moi. Y a pas des trucs intéressants, y a rien. On sort, on va au commissariat et on s'arrête ici. Justement, on est dans le. Ah, t'es dans le parking là. Ouh, je suis presque au niveau 11, super ça. Allez, le temps de chargement, dépêche-toi, fais-moi plaisir. S'il te plaît, pour moi. Pour moi. Plus de putain! Ah, enfin. Ah, je sais pas, mais le temps de chargement, ça m'horripile. Surtout sur PC, quoi. Sur console, je peux comprendre que ça charge comme pas possible, mais sur PC, pour moi, je peux pas comprendre. Et non, j'irai pas installer Fallout 4 sur un SSD, c'est mort. Je vais pas installer un SSD juste pour ce jeu, quoi. C'est mort. Mais ce jeu a quand même de sacrés temps de chargement, ça, faut l'avouer. Bon, P2L, là. Regardez qui voilà. Alors, vous avez nettoyé la zone cible? Affirmatif. Impressionnant. Continuez de faire vos preuves et je commencerai peut-être à vous faire confiance. Voilà ce qu'on vous doit. On reçoit sans cesse des rapports de reconnaissance. Si vous avez envie de repartir en mission, vous savez où me trouver. C'est bon pour moi. Très bien. Voilà la zone cible actuelle. Je ne veux pas vous revoir tant que vous n'aurez pas nettoyé cette zone. Je m'en branle, ta life. Voilà Dindens, est-ce que je peux vous vendre des trucs? Dindens, si vous avez besoin de réparer votre armure assistée, nous avons du matériel qui devrait vous y aider au garage. Si vous êtes d'humeur à exterminer les goules sauvages, ce n'est pas ce qui manque dans les environs. Bon, allez. Sauvegarde, et on arrête. Sur ce, loulou, prenez soin de vous. Prenez soin de rock'n'roll, n'oubliez pas d'avoir la... Oui, attitude. Comme d'habitude, avec la trouille peau au cul. Vous connaissez la chanson, vous connaissez les ex, vous savez le dicton, je vous laisse, je vous fais plein de poutous partout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao bye, bouti bouti, et que l'amour du pédobie soit avec vous. Peace!